Parce que l'art et la culture innovent aussi loin des villes, le magazine Champ Libre explore les initiatives étonnantes au cœur des campagnes de la Nouvelle-Aquitaine. Focus sur le petit village d'Agnes-Pipérou en Charente, où un fils et son père ont rêvé un festival de jazz à taille humaine. Gabriel Duplantier a photographié le Pays Basque des deux côtés de la frontière. Une magie noire à découvrir dans notre rubrique Vue. Connexion au bout du monde avec le peintre et muraliste péruvien Maco Moya. Rencontre avec Yannick Jolin, un conteur, comédien et metteur en scène à l'énergie folle et au bilinguisme assumé. Dans la rubrique Lue, des arbres remarquables au cœur du Limousin. Le meilleur de l'électro, de la pop et de la gastronomie se donne rendez-vous le temps d'un week-end à Bourg-sur-Gironde. Ça s'appelle Vie sauvage et c'est jusqu'au bout de la nuit. Champ libre, loin des villes, le magazine des arts et de la culture en Nouvelle-Aquitaine, ça commence. Dans une ancienne abbaye devenue maison rurale familiale, un fils et son père ont créé un festival de jazz. Une passion partagée et une ouverture d'esprit que ne renierait pas Herbie Hancock, interprété ici par le Big Bang du Centre des Musiques Didier Lockwood. La couleur de la programmation, c'est tout simplement à l'image de pourquoi je suis musicien de jazz et pourquoi cette musique-là me passionne. Donc c'est une ouverture d'esprit avant tout. En fait. Herbie Hancock a clairement une image d'un ambassadeur de l'ouverture d'esprit. C'est tout sauf quelqu'un qui est enfermé dans un style. Il a toujours cherché à élargir. Contrairement à beaucoup de festivals qui sont plutôt urbains, nous, alors vraiment, on ne peut pas faire plus perdu à la campagne. L'idée nous en est venue avec mon fils. Depuis longtemps, on fantasmait sur le fait de faire un festival et puis on est tombé sur ce lieu. Moi, je suis musicien, donc je tourne un peu partout en France et à l'étranger. Et puis forcément, j'avais une vision de quel genre d'endroit, quel genre de manifestation je rêverais de rencontrer. Et puis à un moment donné, il y a eu un déclencheur. Mon père qui a trouvé un site incroyable et ça a déclenché l'aventure. On s'approche doucement des 1000 spectateurs sur 3 jours. Et c'est une jauge qui nous correspond bien aussi. Si on avait une jauge de 40 000 personnes, artistiquement, ce serait plus compliqué à gérer. On aurait un poids sur les épaules énorme, donc on a envie de grandir, mais on est attaché aussi à la taille humaine du festival. Ça, c'est un truc qu'on ne voudra jamais perdre. Si le jazz est omniprésent, les deux passionnés font parfois des pas de côté, comme avec une chorale de 80 jeunes pour un programme 100% Queen et un hommage à son leader charismatique, Freddie Mercury. Alors, le projet, c'est de faire se réunir des élèves de 3e avec des élèves de lycée, pour qu'ils sachent que la musique continue au lycée. Il y a des collèges et lycées de Poitiers, collèges et lycées d'Angoulême et le collège de La Rochefoucauld. Et le répertoire de Queen, c'est parce qu'on aimait bien nous-mêmes et on a demandé d'avoir une adaptation de 10 chansons de Queen. J'aime énormément le style musical, le personnage qu'il incarne. Puis même dans sa vie personnelle, il y a des choses tellement émouvantes. C'est beaucoup de choses. Et on aime, moi en tout cas, j'aime beaucoup tout cet univers-là du rock britannique. Bye.
la nuit tombée, le public se fait plus dense pour la batteuse Anne Passeo, trois fois primée aux Victoires du Jazz. La musique est super, c'est des amis, ils sont reconnus. C'est difficile de résister quand même, ça fait beaucoup. Pierre Perchaud, je le connais depuis très longtemps. Je pense que je devais avoir 19 ans et ça a été tout de suite un coup de cœur musical et humain. L'idée, c'était de faire un disque autour des voix, donc avec la présence de deux chanteurs, et de mélanger plein de musiques que j'aime, l'improvisation du jazz, le son de la pop, des chansons en anglais. Donc c'est un mélange de style et de genre, mais et pourtant c'est une musique qui est bien à nous, six quoi. Il y a peut-être des gens qui connaissent déjà ma musique, mais d'autres qui vont découvrir, donc c'est intéressant d'arriver dans un terrain qui n'est pas conquis. C'est vraiment que les gens viennent par curiosité et puis se fassent cueillir et reviennent. Avec la rubrique Vue, découvrez l'univers d'un photographe. Gabrielle Duplantier a grandi dans les Landes, près de Bayonne. Et pourtant, c'est du Pays Basque, où elle n'allait pas enfant, qu'elle se souvient. Mes parents y partaient en escapade, sans nous. Ils en revenaient à chaque fois éblouis. Ils parlaient d'un monde merveilleux, des montagnes, des forêts, des lumières. Ils avaient l'air transfigurés. Plus tard, Gabrielle décide d'explorer ce Pays Basque mystérieux. Une révélation, un horizon s'est ouvert à moi. Je me suis intéressée à tout, au crépuscule, au brouillard, aux ambiances, aux architectures. Au Pays Basque Nord, elle est saisie par la force de la nature. Au Pays Basque Sud, par la puissance des célébrations et fêtes populaires qui se perpétuent depuis des siècles. C'était en 2002, et depuis, la jeune femme n'a eu de cesse de poursuivre ses explorations, comme elle les appelle. Les pieds dans la boue, c'est l'endroit où je me sens le mieux, précise la photographe qui aime se perdre sur les chemins, mais aussi rencontrer des gens, des visages et des regards. Ici, une statue de la Sainte Vierge dans une minuscule chapelle. Là, son amie Johanna, une de mes muses. Ou encore Joseph, qui vit proche de la nature et qu'elle a suivi pendant 2 jours, comme un chien. Gabrielle Duplantier se rêvait peintre, elle est devenue photographe, et quelle photographe! Maîtrisant à merveille les ombres et les lumières, les veloutés, les piqués et les flous, les noirs, les blancs et les gris. Avec ses images troublantes et frissonnantes, elle révèle l'âme et certainement un peu de cette magie du Pays Basque. Et si les fermes creusoises se transformaient en toiles géantes ? Connexion immédiate avec Maco Moya, peintre muraliste péruvien. La vision de la France, on pensait que c'était plutôt un grand pays, plutôt urbanisé. On dirait plutôt comme, je sais pas, comme New York, comme les images de Paris, comme Tokyo, je sais pas, le futur. C'est incroyable la quantité de forêts et d'espaces naturels qu'il y a en France, en fait. J'ai commencé à travailler comme muraliste tout jeune, 20 ans, au Pérou aussi. Et quand j'ai venu ici, bon, j'ai essayé de développer ça ici dans l'espace rural, en fait, dans la campagne. Parce qu'on habite ici au milieu de la campagne. Ça, petit à petit, me permet de travailler des projets de street art. Je trouve que c'est vraiment ramener l'art à tout le monde. Non? En parlant des matières, c'est très intéressant. Chaque mur, il a plein de matières, c'est un support vraiment docile, on dirait, et agréable à travailler. Je suis toujours libre. La contrainte, surtout, c'est de que ce soit créatif, de que j'ai la liberté et toute la confiance pour y aller où je veux, en fait.
Yannick Jolin est conteur, comédien, chanteur, auteur. Il est aussi un ardent défenseur de sa langue, le poitevin. À Pougny-Hérisson, où il aurait découvert le nombril du monde, rencontre avec un artiste à l'énergie communicative et au bilinguisme assumé. Je suis né dans une famille de paysans de Vendée. Mon premier parlange, ma langue, a été le poitevin, dès le départ. C'est la langue de l'enfance, c'est la langue de la construction intime, de tout ce qui est fragile et irrationnel en nous. Parler une langue, oui, mais avec qui? Et moi, je vois se profiler avec terreur mes parents vieillissants, le moment où je serai le dernier à parler la langue qu'ils m'ont transmise, avoir brillé les mots dans le noir, ces mots qu'on a partagés tellement souvent. Gouvernier. Oui. Là, il ne nous entend plus au dire Bérette, ça. Quelqu'un qui est gouvernier. Maman était toujours gouvernier. Ouais. Il fallait rien pour me gouverner. Moi, je suis un acteur, c'est-à-dire un gars qui acte sur scène avec un rapport particulier à cette matière qu'est le conte, qui est cette parole. Je suis très lié à la parole symbolique, à cette utilisation de figures d'archétypes, de symboles qu'on trouve dans les contes du monde entier depuis le début des temps. C'est les mêmes contes qu'on raconte partout sur la Terre. C'est ce qui m'a ouvert à l'universalité. J'avais l'impression d'aller collecter des histoires sur mon terroir et je m'apercevais que ces histoires, elles étaient racontées dans le monde entier. J'ai vu les différentes possibilités que le monde pouvait m'offrir à la bourboule. La bourboule, pour moi, c'est Ushuaïa. Dans la maison d'enfants avant qu'il dormait, on avait un gars, un Parisien, qui avait 15 ans, moi il y en avait 12. Lui, il y avait de petites hormones qui glissaient, mais lui, il avait de grosses hormones qui glissaient. Lui, grâce à une bonne maîtrise de la langue française, il racassait la pubelle démonitrice dans les douches. J'ai entrevu les infinies possibilités que pouvait me procurer une bonne maîtrise de la langue française. Donc je suis tombé immédiatement amoureux total de la langue française et de la fille de la directrice qui s'appelait Hélène. Et à l'œil, il aurait voulu dire tout ce qu'il y avait dans l'avantrail, mais on me venait dans ma langue à moi. J'aime la communauté, mais j'aime me mettre à part de la communauté. C'est pour ça que je me suis mis sur la scène. Je suis dans la communauté, mais je me prends la meilleure place. Bienvenue à Pougny-Hérisson. C'est Pougny-Hérisson. Partout dans le monde, si vous êtes bien centré, vous y êtes. Pougny-Hérisson, c'est le nombril de la Terre, donc il n'y a pas de lézard là-dessus. La rencontre avec les gens de Pougny-Hérisson a été géniale. C'est-à-dire que moi, je racontais des histoires sur Pougny-Hérisson, mais sans connaître les gens. J'avais mis toutes mes histoires, je les mettais à Pougny-Hérisson parce que c'était un nom extraordinaire. Le nom Pougny-Hérisson, ça sonne comme un jingle. Et les gens de Pougny sont venus me dire « Faut venir chez nous. Tu racontes des affaires chez nous, puis tu n'es jamais venu chez entre nous, donc faut t'en faire. » Donc j'ai dit « D'accord, mais on ne va pas faire n'importe quoi. Moi, si j'y vais, un peu par boutade, bravage, je sais pas, mais je dis on va inaugurer le nombril du monde. Puberté, l'âge de la révolte, la contradiction, sous les pavés, le désert. Il a eu envie de traverser le désert au sud de Pougny-Hérisson, de voler de ses propres ailes, quoi. Et comme l'écoutait encore un peu, les conseils de sa mère étaient son seul héritage, il a décidé de prendre une croix sur son épaule pour traverser le désert. Il n'a pas trouvé de croix, alors il a pris une enclume à la place. Ce qui m'intéresse, c'est la transmutation des choses. Quand on raconte des histoires, c'est aussi pour transformer une histoire banale en quelque chose d'exceptionnel. Maman, il veut pas qu'on me coupe ta langue, maman. De nos jours, l'arbre est souvent exclu des préoccupations du quotidien. Autrefois, au cœur des pratiques rurales, pour ses fruits, son bois, sa feuille, il est devenu au fil du temps un agrément urbain. En 1970, Georges Pompidou, président de la République, s'émouvait, dans une lettre à son Premier ministre, de l'abattage systématique des arbres de bord de route. La sauvegarde des arbres plantés au bord des routes est essentielle pour la beauté de notre pays, pour la protection de la nature, pour la sauvegarde d'un milieu humain. La vie moderne, dans son cadre de béton, de bitume et de néon, créera de plus en plus chez tous un besoin d'évasion, de nature et de beauté. J'ai choisi ce livre parce que les arbres, déjà, sont une de mes passions assez présentes dans ma boutique. Donc ce livre présente 50 arbres parmi plus de 1000 arbres qui étaient recensés comme extraordinaires en Limousin. Par exemple, le chêne de l'Anglais sur la commune de Sarroux,
un grand chêne très majestueux d'environ 600 ans, au pied duquel on a retrouvé une urne avec des cendres, probablement d'un soldat anglais, donc on l'appelle le chêne des Anglais. Beaucoup de ces arbres sont sur des jardins privés, sont sur des lieux privés. En revanche, on peut aller les visiter, il faut demander, il faut être évidemment respectueux des lieux, mais on peut se permettre de les rechercher. Ils sont localisés, ils sont dessinés, ils sont pris en photo, photographiés effectivement, et on les présente un peu comme des personnages. Ce livre s'adresse à tous les publics amoureux de la nature, tous les publics désireux d'apprendre. Ce livre nous montre aussi combien les arbres sont à la fois essentiels et en même temps fragiles. Ils ont besoin de nous, il faut absolument qu'on les défende. C'est d'ailleurs ce qui se passe beaucoup aujourd'hui actuellement en Corrèze. Née en 2012 d'un projet de fin d'études, Vie Sauvage rassemble aujourd'hui plus de 4000 festivaliers le temps d'un week-end à Bourg-sur-Gironde. On y écoute de la pop et de l'électro, on y boit, on y mange, on y danse. Ici, la vie est sauvage et les nuits sans fin. Sauvage, c'est apparu assez vite finalement, parce que vous avez la vie, enfin les valeurs qu'on communique, c'est-à-dire bien manger, bien boire, bien écouter et être dans un beau cadre, ça c'est la vie. Et puis le sauvage, ça nous parlait aussi parce qu'on est à la fois on est proche de Bordeaux, mais on en est loin aussi, et donc ça dépayse. Et ce qu'on veut proposer à nos festivaliers, c'est vraiment un week-end dépaysant. La chance qu'on a déjà, c'est le cadre. On est sur une citadelle fortifiée, classée. Le village est magnifique. On est vraiment sur une sorte de village champêtre à l'ancienne avec le vieux PMU, les papis, etc. Et après, on va dire que l'alliance fooding, culture, patrimoine fait un mix qui fait qu'on n'est pas sur la vente fraîche saucisse avec la tête d'affiche et la bière à 8 euros qui n'est pas fraîche. Les gens qui ont créé ce festival respectent ce territoire et pour certains vivent ici. Et en ce sens-là, il y a une sorte d'osmose pour moi entre la terre sur laquelle on se trouve et puis la programmation musicale. Et moi, j'aime beaucoup faire la comparaison entre le vin et la musique parce que je trouve que c'est quelque chose de très similaire. Cette espèce d'orfèvrerie de la terre, on peut le retrouver dans la programmation musicale qui est de qualité. Donc vin de qualité, musique de qualité, public de qualité forcément. En fait, l'idée, c'est vraiment de servir l'une et l'autre des deux disciplines, la musique et la gastronomie. Et au même titre que la musique, voilà, on a envie d'avoir aussi une grosse programmation food sur le festival. Après, l'idée, c'est que aussi ça soit une sorte d'ouverture, de démocratisation de la gastronomie. Et donc là, voilà, cette année, on se retrouve avec quatre formats bien distincts et pour tous les appétits et tous les portefeuilles. C'est vrai, quand on m'a proposé de faire le banquet du midi samedi où on a Marc réveillé le soir, j'ai dit « Ah, je signe tout de suite ». Et je pense que la prog va être plutôt lourde pour toute la journée qui va arriver. Et c'est un vrai plaisir de pouvoir en profiter. Sur le banquet aujourd'hui, on vous propose quelque chose d'assez particulier. On garde nos habitudes, travailler une cuisine métissée entre l'Asie et les produits locaux. Donc on retrouvera en entrée un tarama. Tarama, c'est classique, mais qu'on vient twister en mode japonais. On poursuivra avec un maigre de ligne, lui cuit en feuilles de bananier, mariné avec une crevette séchée. Donc une belle infusion de toute une nuit pour terminer sur le barbecue. Poursuivre un canard local. Ce canard local, lui, est cuit juste sur le coffre, la partie sur le barbecue, hein, laqué d'un miel de gingembre. On poursuivra avec la cuisse qui est le braisé en adobo, donc une technique philippine. Ça va être un petit plaisir. On termine sur l'abricot au dessert, abricot glacé, rôti, grillé. Voilà, ça va être un petit menu assez fun à proposer en mode camping. Donc c'est là où on prend du plaisir parce que justement on casse un peu les codes et on sort de nos habitudes de cuisine. C'est vachement, vachement intéressant.
aussi venir à ce banquet parce que c'est un événement un peu incontournable du festival. Parce que c'est autant de la musique que la gastronomie et le banquet chef là est quand même un événement super sympa. On peut retrouver les copains et goûter un peu tous les produits et découvrir des saveurs un peu différentes. J'espère qu'on vous a régalé et que vous tiendrez jusqu'à ce soir. Parce qu'après, il y a de l'américain et tout. Bon, c'est top. Et les vins vous ont plu aussi? À tous. Là, c'est top. Merci beaucoup. Amusez-vous bien. À bientôt. Allez, profitez bien de votre festival. La couleur du festival musical, elle est plus dans les musiques émergentes, donc les groupes en développement, tout ce qui est électro-pop, électro-rock. En fait, ça fait partie de ces festivals qui mettent en avant aussi des acteurs de la scène actuelle qui jouent pas forcément sur des énormes scènes, dans des énormes festivals. Donc il y a un peu de tout, il y a des groupes plus ou moins connus, mais ça permet aussi de jouer sur des grosses scènes devant pas mal de gens quand on n'est pas non plus un artiste qui explose les charts et qui est numéro un de toutes les radios, quoi. C'est vraiment d'avoir des découvertes, des coups de cœur tous les soirs, d'avoir des locomotives comme tout le monde, mais qui sont quand même des locomotives à taille humaine, comme Flavien Berger, Vendredi sur Mer, Marc Rebillet. Et on met aussi le côté très festif de fin de soirée, parce qu'on adore faire la fête aussi. Donc il y a un côté électronique en fin de soirée avec des lives électro un peu perchés, un peu rigolos. Salut tout le monde! Dis donc, vous êtes beaucoup ce soir, hein? C'est le plus important pour nous, l'ambiance. Il faut que les gens s'amusent gentiment, mais qu'ils s'amusent. Donc pour nous, c'est hyper important. Là, on espère une seule chose, c'est qu'ils rentrent parfaitement détendus au camping, qu'ils passent une bonne nuit à la fraîche, puisqu'il ne fait pas non plus très très chaud, mais c'est bien aussi. Et demain, on les accueille pour un concert à l'église de Bourg, un concert acoustique qui est le concert final. Et c'est une façon un peu aérienne de dire au revoir à nos festivaliers. J'espère qu'ils vont lâcher une petite larme et puis repartir heureux. Voilà, c'est le plus important pour nous. Prochain numéro de Champ Libre, focus sur le jeune et prometteur Festival international de guitare en Béarn. Depuis son ULM, Yannick Lavigne photographie l'emprise de l'homme sur la nature, à découvrir dans notre rubrique Vue. À Contis, des nanofilms brésiliens nous emmènent au bout du monde. Rencontre en Haute-Vienne avec la plasticienne Clorinde Coranotto et son drôle de camion itinérant. Dans la rubrique Lue, Isla Nova, un thriller écolo sur l'île d'Oléron. En Corrèze, bouillon de culture, de musique, d'idées et d'énergie avec le collectif Lost in Traditions. Champ Libre, loin des villes, le magazine des arts et de la culture en Nouvelle-Aquitaine.